I just like the sound of it. Bien, salut tout le monde, c'est Fucktuck, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel essai dans le cadre de mon stage chez Honda à Redmoto 07. On va aller au rond-point, ça sera plus vite fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Honda Rebel en 500. Au niveau du moteur, c'est le même moteur que la CB500F, que la CB500X et de la CBR500R. Donc voilà, on est exactement sur le même moteur, le petit bicylindre de 500 cm3. Donc là, le test va être un peu... Normalement, va être moins long que d'habitude. Tout simplement parce que, en fait, j'ai déjà essayé la moto ce matin. Sauf que ce matin, mon micro n'a pas fonctionné. Donc là, autant vous dire que je suis pas tranquille du tout. Parce que jusqu'à maintenant, mon système, il m'avait pas fait faux bond et ça faisait un moment que j'avais pas fait une matinée de tournage pour au final rentrer et voir que le son n'était tout simplement pas bon. C'est même pas qu'il était de mauvaise qualité ou quoi, c'est juste qu'il a pas été enregistré. Donc voilà, là, je suis vraiment pas tranquille, j'espère normalement que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et voilà, donc là, aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'ai dit, sur le petit... Honda Rebel 500. Donc au niveau de l'esthétique, comme vous l'avez vu sur les plans fixes, je trouve que l'esthétique il est quand même vachement réussi. Donc là, vite fait pour poser les bases, certes le moteur est identique à celui de la CB500F, CBR500R et de la CB500X, mais au niveau de du style de la moto, on est sur un custom. Donc voilà, je me suis un petit peu renseigné, on est sur un style qui se dit bobber. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moto se veut un maximum minimaliste. Donc c'est pour ça que vous voyez, il n'y a vraiment pas de carénage, il n'y a absolument rien. Le seul truc qu'on a, c'est le réservoir. Il n'y a aucune protection ou quoi que ce soit. Au niveau de l'autonomie, je vous mets ça à l'écran maintenant. À vue d'œil, donc le réservoir, je pense, doit faire, je sais pas. Honnêtement, à vue d'œil, je dirais 13 litres. Je me souviens plus, mais bon, il me paraît pas non plus énorme. Mais bon, ce bicylindre consomme pas énormément, donc je pense que niveau autonomie, ça doit quand même être assez, assez correct. Donc voilà, ensuite au niveau donc de... Bah, tout simplement de la conduite, de la position, de l'accessibilité, tout ça, les commandes sont un petit peu avancées par rapport à un roadster ou quoi que ce soit. Donc pour vous dire, quand je m'arrête à un stop, que je repars, j'ai toujours tendance à louper le cale-pied, à mettre mon pied trop en arrière. Mais bon voilà, ça c'est le style custom qui veut ça. Et encore, les cale-pieds je trouve sont pas trop avancés. Parce que sur certaines Harley, franchement on voit les mecs, ils ont les pieds carrément ici. Et rien que là déjà le fait que les cale-pieds soient un petit peu avancés, moi qui suis habitué à des roadsters et tout ça, bah ça fait quand même vachement bizarre. Voilà, faut un petit temps d'adaptation. Même si bon, ça se fait largement. Ensuite, le point positif, c'est au niveau de la hauteur de selle, pardon, il y a un... Je sais pas si vous voyez dans le rétro, il y a un combi derrière, il est grave beau. Je sais pas si vous verrez dans le rétro. J'espère que oui, sinon ça sert à rien ce que j'ai fait. Donc voilà, au niveau accessibilité, je pense que cette moto, ça peut vraiment être un bon compromis. Donc déjà, bon, il faut aimer le style un peu custom. Mais au niveau de la hauteur de selle, parce que du coup, bah là, c'est même plus les pieds à plat qu'on a, je fais qu'1m78. Bon, c'est déjà... Je suis pas petit non plus, mais bon, je suis pas excessivement grand. Il faut savoir que les pieds sont largement à plat par terre, et je pense que ça pourrait vraiment être un point positif pour les petits gabarits. Qui concerne le poids, je vous le mets à l'écran maintenant, mais... Il faut savoir que quand on roule, elle est pas excessivement lourde. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux en termes de vivacité, hein, c'est pas ce qu'on lui demande, mais je pense que le seul petit... Les seules difficultés que les petits gabarits pourront avoir, ce serait à manœuvrer quand on est à l'arrêt, parce que c'est peut-être un petit peu lourd. Merci frérot. Donc voilà, après en ce qui concerne le moteur, franchement j'ai pas grand chose à dire.
parce que ça fait... Bah, c'est loin d'être la première fois que je roule avec ce moteur. Honnêtement, moi je le trouve vraiment hyper adapté à des personnes qui viennent d'avoir leur permis à deux et qui vont acheter leur première moto. Tout simplement parce que pour moi c'est le bon compromis entre le fait qu'il est quand même sécurisant, parce que bon, vous ferez pas peur avec. Voilà, il est quand même assez linéaire, mais là où je dis que c'est un bon compromis, c'est qu'il est quand même assez linéaire et prévisible pour pas surprendre, pour pas se faire surprendre, mais il a quand même ce petit caractère qui fait qu'on peut largement s'amuser avec. Alors par contre, un truc qui me dérange un peu, c'est d'ailleurs un des seuls trucs qui me dérange sur cette moto, c'est le fait que quand on voit l'esthétique, on s'attend un peu à un bruit de moteur un peu plus caractéristique, et c'est vrai que... Oh là là, cet équilibre. Et c'est vrai que après, quand on démarre la moto, moi perso, je m'attends, en voyant ce genre de moto, je m'attends pas à ce genre de sonorité du moteur. Bon, est-ce qu'on va réussir à doubler ce Fiat Dubo? Hop, nickel. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc qui me dérange. Aussi, un autre petit point négatif que j'ai trouvé, c'est au niveau du freinage. Le freinage, on va dire que c'est une moto qui est quand même destinée, voilà, à la balade tranquille. Les custom, vous achetez pas ça pour arsouiller avec, pour faire des freinages tardifs, etc. Donc, on va dire que on pardonne le freinage, qui est pas forcément ultra performant. Mais le style de la moto fait que c'est pas non plus quelque chose de primordial. Voilà, on aura toujours tendance un peu à rouler cool en mode balade. Pour ça, vous voyez, j'ai même pas flouté le compteur. Ça sert à rien d'atteindre des vitesses affolantes avec ce genre de moto. Là, on est vraiment pour le plaisir de se balader avec les pieds en avant et avec un confort quand même sympa. Au niveau confort, franchement, on est bien assis. J'ai roulé tout le matin avec pendant quasi... Allez, putain, il portait un parasol ou quoi? Et franchement, j'ai mal nulle part. On a les jambes juste légèrement en avant. On a les bras bien tendus sur un guidon qui est quand même assez large, donc on est vraiment à l'aise et c'est vraiment super agréable. Ensuite voilà, encore un point que je peux noter, c'est la souplesse du moteur. C'est pas le genre de truc, vous lâchez les gaz, vous avez un frein moteur qui va vous projeter un peu vers l'avant, comme on peut retrouver sur la MT par exemple, qui est aussi une moto qui se veut pour les jeunes permis. Mais franchement, si vous allez acheter votre première moto, que vous n'êtes pas forcément très 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 à l'aise, c'est normal, ça vient avec l'expérience, avec le temps. Je vous conseillerais vraiment d'essayer une des motos qui possède ce bicylindre en 500. Pour moi, ce moteur, il est vraiment hyper bien adapté au jeune permis. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas surprenant, il est facile à prendre en main. Puis il est super souple, quoi. Quand je vois ma MT, si t'as le malheur de baisser un rapport... sans mettre le petit coup de gaz pour adoucir un peu la chose, franchement, ça t'as très vite fait de bloquer la roue, tellement il est mordant, c'est abusé. Aussi, on va faire attention à pas trop pencher, parce que là, ce genre de moto, ça a toujours tendance à frotter facilement. Si vous voulez être original, que vous aimez un peu ce délire de custom avec les pieds un peu en avant, le design est vraiment réussi, je trouve. Ils ont réussi quand même à faire, comme avec toute leur gamme un peu néo-rétro, là, une moto qui fait une sorte de dédicace à des états d'esprit plus anciens, comme par exemple le bobber, les custom. Tout ce qui est un peu café racer, par exemple avec la CB650R, pardon. Tout en rajoutant des petites touches de modernité, voilà, il y a quand même l'ABS sur la moto. Le compteur est digital, vous n'avez pas un vieux compteur à aiguille qui n'est pas forcément très lisible. Vous partez quand même avec une Brel qui d'apparence peut faire vintage, mais qui par son équipement reste quand même extrêmement moderne. Il y a les avantages du old school au niveau de l'esthétique, voilà, ça a de la gueule, ça en impose, tout ça. Avec la facilité de nos jours à avoir de l'équipement de qualité. Et je vais éternuer. Oh, ça va revenir, je le sens dans pas longtemps là. Voilà, je l'avais prévenu. Petit point négatif aussi, il n'y a pas de compteur d'indicateur de rapport engagé. Petit point négatif, ça me manque. Putain, ça me saoule cette allergie. Oh là 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 là. Après, en ce qui concerne le comportement de la bécane, donc ce matin j'ai eu l'occasion d'un petit peu arsouiller avec, voilà, pas d'arsouiller mais d'avoir un rythme quand même assez soutenu, voilà, de maintenir les 80 km/h même dans les tournants, tout ça. Et on sent quand même qu'on atteint vite la limite, que voilà, c'est pas fait pour. Ça aura vite tendance à frotter.
à l'avant, ça va quand même avoir un peu de mal à encaisser. Enfin voilà, c'est pas fait pour, quoi. Mais vous voyez, c'est quand même assez vif. Du coup, les Harley vous font signe, vu qu'ils croient que vous êtes de leur clan. J'ai rien contre les Harley. Voilà, au niveau de la suspension arrière, c'est vraiment un petit canapé, ça a tendance à sautiller un petit peu. Mais franchement, pour un style de conduite balade, avec celle-là, c'est un peu comme avec la CB500X. Il n'y a pas besoin d'aller vite pour prendre du plaisir. Ensuite, au niveau du compteur, vous avez quand même quelque chose d'hyper lisible, je trouve. Vous avez un trip 1, un trip 2, la vitesse. Trip 1, trip 2, vitesse. La jauge à essence ainsi que l'heure. Donc voilà, vraiment le minimum vital. Donc elle est vendue, il me semble, en monoplace, mais c'est possible, là j'ai la version 2 places, c'est possible de rajouter une petite selle à l'arrière. Normalement, de toute façon, vous avez dû voir que j'avais la selle pour le duo sur les plans fixes. Vous voyez, le petit bicylindre, il a vraiment pas, aucun mal à repartir. Bon, par contre, il n'y a pas aussi de tours minutes, je viens de remarquer, parce que là, j'allais dire, quand on est un petit peu bas dans les tours, mais il n'y a pas de tours minutes. Franchement, on a pas mal au cul dessus, hein. Ah, la petite chicane avec les vaches. Oh là là, c'est beau. C'est beau l'Ardèche. Après aussi, en termes de tarifs, on est à environ 6200, un peu plus de 6000 euros, 6200, 6300 il me semble. Donc pour une moto de ce type, bah, elle se place vraiment dans les plus accessibles. Et je pense que c'est important, le côté financier, tout simplement, pour un jeune permis qui pourrait l'acheter en A2. Et je trouve ça cool qu'ils rendent accessible plusieurs styles de moto. Wow, ils ont mis ma sable. Pour finir la vidéo, on va se mettre là. Oh non, il y a des gens, je voulais faire la conclusion. Oh bon Dieu. On va finir la vidéo en ASMR. Bon, on est arrivé à la petite vue panoramique. J'espère que vous m'entendez, on va vérifier. Je vais vérifier quand même que ça filme. C'est une blague, elle filme pas. Si, c'est bon. Obligé de faire ça pour voir. Honnêtement, c'est une brelle qui est vraiment sympa. Il n'y en a pas non plus beaucoup des custom. Des custom en A2. Donc, je pense que c'est vraiment sympa d'avoir pensé à faire un petit custom comme ça, accessible à deux. Surtout à ce prix. Bon, c'est pas non plus donné, mais franchement, dans le marché, c'est quand même celle qui est le plus accessible. La moto est super agréable à rouler. Et bah, y a rien à dire d'autre, hein. Le moteur, je pense, est vraiment fait pour les jeunes permis. Bon, je me fais un peu regarder là, mais bon, on va s'asseoir. Ça fera plus discret. Ah, j'espère qu'il m'entend pas parler. Voilà, pour moi, je trouve que le moteur est vraiment idéal pour les jeunes permis. Vous vous ferez pas surprendre par quoi que ce soit. Donc voilà. Si vous aimez le délire un peu custom, qui va à l'essentiel, voilà, l'esthétique, je trouve, est vraiment réussie, elle est vraiment jolie. Que votre priorité, c'est pas forcément d'arsouiller tout le temps. Bah, je pense que cette petite rebelle est vraiment faite pour vous. Après, franchement, je vous conseille de l'essayer parce que, bon, la position, c'est quand même un peu déroutant si c'est votre premier custom. Bon, du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour montrer que ça vous plaît, à écrire un max de commentaires pour poser vos questions, donner votre avis, tout ça, c'est le but de mes vidéos, hein, c'est que j'ai des retours. Sur ce, je vous dis ciao les gens.